Yep, mes gros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi, donc c'est le lundi de Pâques. C'est férié. Le poisson, il doit être férié aussi parce que ça fait 2 heures que je pêche et franchement, j'ai eu que dalle. J'ai eu une tape tout à l'heure, une tape et un suivi. Mais voilà, rien de sorti. Alors là, ça commence déjà à me saouler un petit peu parce que quand ça commence à être lent comme ça, mais bon, je ne vais pas désespérer puisque samedi. Samedi, j'ai galéré à faire du poisson et j'en ai fait deux l'un derrière l'autre. Donc là, ben, je vais continuer et puis on va bien voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite les gars, si je fais du poisson. C'est tout, hein. C'est pris, poisson, voilà, il est pris, c'est pris les gars, chez mon fils les gars. Ah, il n'est pas gros, il n'est pas gros, mais j'ai quand même mon fiche. Allez viens mon petit, ouais. Allez viens. Ah, il n'est pas gros, c'est pas un gros mais... Essayez de te foutre dans les branches, enfoiré. Ouais, viens. Ouais, c'est pas un gros, c'est bien ce qu'il me semblait que c'était pas un gros. C'est un petit, mais c'est pas grave, c'est un fiche. Oh la vache, et comment qu'il me l'a pris? Elle était prise en dessous. Ouais, t'as mal pris, mon gars. Toi, t'as mal pris, et moi, j'ai de la chance. Et ben, tu sais quoi, mon gars? J'ai de la chance. Parce que. Ah, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je vais te décrocher, mon gars. Voilà. Ah putain, la vache. Ouais, ça, c'est pas bon, par contre, tu vois. Je voulais pas. Je voulais pas que tu l'aies dans l'œil. Et tu l'as dans l'œil. Ah putain, la vache, ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon, mon gars. Tu l'avais pris dans l'œil. Ah, ça va. Ça va. Tu mesures combien, mon gars? Tu mesures combien, mon gars? 60? Un beau petit paille que de 60? Ah, attends, je vais te faire tout beau pour la photo, mon gars. Et après, je te remets à l'eau. Allez, hop. On fait la photo. Allez, un petit paille que de 60, les gars. Impeccable. Il a eu chaud à l'œil parce que... Il a eu chaud à l'œil parce que c'est pas passé loin de l'œil quand même. Allez va mon gros. Allez va. Allez va mon gros. Allez, go. Allez va, fonce. Allez ouais, c'est bon, tu l'as pu. Impeccable. Ouais, il va se remettre tout doucement. Super. Et... C'est bon. C'est bon, je viens d'avoir mon pike. Il a eu de la chance parce que l'hameçon, il était piqué juste en dessous de l'œil là. Ça va, ça lui a pas crevé l'œil. Donc là, c'est bon, je suis content. Je suis content parce qu'il a rien, voilà. Et je suis content parce que j'ai fait un poisson aussi. Bon, ben c'est bien. Je suis pas capot. Ça, c'est déjà fait. Allez, à tout de suite les gars, si je refais du pike. Voilà mes gros, donc ma petite session est terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira comme toutes les autres. Hein.
Donc voilà, je tire encore mon épingle du jeu avec ce petit pike de 60 hein, que je prends juste en dessous de l'œil. Donc il a eu de la chance de ne pas avoir l'œil de crever. Donc en ce moment, il tape sur les petites jerks. Donc c'est les petites jerks de chez AliExpress en 8 cm. Donc en ce moment, il tape dessus. Il tape sur la couleur Fager Tiger. Voilà, je suis resté sur les 3 jours, là je suis resté toujours avec le même leurre, étant donné qu'il fonctionnait, donc je vois pas pourquoi je changerais. Voilà, c'était une petite session, quand même, je ne vais pas dire courte parce que ça fait depuis 1 heure de l'après-midi que je suis là et il est 17h20. Je fais quand même qu'un seul pike. Hein. Mais bon, je suis pas capot, c'est toujours ça. Voilà les gars, je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis comme d'habitude, hein, like, partage. Et puis si t'es pas abonné, pense à t'abonner. Allez les gars, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye.